Seigneur, il est parqué proche. Ça, ben ouais. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je suis en route vers l'épicerie. Je viens de terminer de travailler. What a great moment in history. J'aime vraiment ça aller faire l'épicerie le soir, spécifiquement le samedi soir. Si vous voulez savoir la meilleure journée pour aller faire... Oh mon Dieu, c'est un stuff. La meilleure journée pour aller faire son épicerie, il y a un peu de soleil. OK, c'est overexposed. Si vous voulez savoir la meilleure journée pour aller faire son épicerie, selon moi, c'est le samedi soir. Ça, c'est la best. Parce qu'il n'y a personne qui va faire son épicerie le samedi soir. Fait que c'est vraiment vide. Puis dans les rangées, t'as pas à attendre après les gens. Fait que c'est vraiment le best. Là, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas samedi. On est le soir, par contre. On est lundi soir et j'ai pas pu y aller samedi soir parce que c'était le jour de l'an. D'ailleurs, bonne année tout le monde! L'éclairage est quand même vraiment belle. Ça me fait tellement de la peine que le soleil se couche tôt. En ce moment, il est 3h40 et le soleil est déjà en train de se coucher tranquillement. I don't like that. Moi, j'aime la température d'été. Quand le soleil se couche à 8h le soir. That's the best! En ce moment, c'est vraiment très palpitant parce que j'ai conduit sans aucune musique. Parce que... Vas-y, avance! Je m'en allais klaxonner! La lumière est verte, il avance pas, qu'est-ce qu'il fait? Focus! Bon ben écoutez, je voulais faire une belle petite shot cute où je déposais les sacs sur le comptoir. Ça a l'air que l'univers ne voulait pas. Donc je peux vous faire un haul de ce que j'ai acheté, si vous voulez. Donc voici à quoi ressemble mon épicerie! Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça tout ce que j'ai acheté. Donc premièrement, il y a ici un ananas. Ensuite, j'ai les bananes. Ensuite, j'aime vraiment acheter ces biscuits-là. C'est des biscuits tellement bons pour elle. Si vous n'avez pas essayé ça, là, c'est des biscuits Farmer's Market. Délice du marché. Et c'est aux raisins secs mes préférés. Ensuite, j'ai les avocats. J'adore les avocats. Ils sont vraiment pas beaux. Genre hyper mou. En tout cas, j'aime vraiment, il y a une recette des biscuits que j'aime vraiment faire, donc je risque de faire des biscuits avec. Ensuite, David adore les carottes, donc j'achète beaucoup, beaucoup de carottes. Et c'est très, très, très winner chez nous. Un déjeuner que j'aime vraiment, vraiment faire, moi, ici, c'est les céréales. Et celui-là, c'est les céréales que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elles contiennent 52% de la portion de fibres qu'on est supposé prendre au quotidien. Donc, elles possèdent, vous voyez, 13 grammes de fibres pour une tasse. Je les aime vraiment, qui sont super bonnes. C'est au miel en plus, fait que c'est super bon. Des petites épices à taco. Des pépitas pour faire le taco. Ensuite, la section fromage. Nous avons ici du mozzarella. Du mozzarella en barre. J'aime vraiment acheter ça pour le râper. Puis on mange ça avec des tacos quand je fais une pizza maison. J'achète de la pâte à pizza pour faire de la pizza maison. Puis j'achète une vanille à 3$ pour mettre sur le dessus de ma pizza. Puis je râpe ça par-dessus. Des soupers, dîners, super simple à faire. On économise vraiment beaucoup parce qu'avant j'achetais les paquets de fromage déjà râpés. Et je vous recommande pas de faire ça parce que au final on perd de l'argent parce que ça c'est avantageux. Ensuite, il y a le ficello et le camembert que j'ai acheté pour faire la recette que je vais faire ce soir. J'aime vraiment beaucoup acheter les soupes chez Saint-Hubert. C'est des soupes, là, vous voyez, celle-là, je l'aime vraiment. C'est la soupe au poulet et nouilles, donc la soupe typique chez Saint-Hubert. Elle est vraiment bonne, puis c'est tellement simple à faire, là. Vous ouvrez ça, vous mettez dans un bol, on fait chauffer. So good! La laitue,
Ça, c'est tellement pratique, ça sauve une vie quand des fois j'ai pas de trucs préparés pour souper. Mettons, il nous reste plus vraiment beaucoup de choses, ben ça se fait en 2 minutes qu'il est écrit. Ça se fait en 2 minutes, c'est comme des genres de croquettes avec du fromage puis du steak à l'intérieur. C'est super bon. Pas toujours très bon pour la santé, mais c'est pas grave, c'est rapide. Ensuite, ça, j'aime tellement ça. C'est du prosciutto, mais c'est comme un peu du salami, là. Mais là, ils ont dit, ben en fait, c'est ça, c'est du salami. C'est ce que j'ai mal lu l'étiquette, c'est du salami avec du prosciutto. Tellement bon. Ah, j'en ai pris 2 aussi cette semaine. Habituellement j'en prends juste 1, mais là cette semaine il était en rabais, donc je me suis un peu emportée. Et voyons. Je peux manger le reste de salami qui reste dans ce paquet-là, mais je sais pas comment il a été ouvert. On va voir ce qui s'est passé. Ensuite, dans les fruits, j'ai pris 2 quarts de framboises. Je prends tout le temps des petits fruits. Soit des framboises, soit des bleuets, soit des fraises. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est juste que c'est un peu cher, donc je varie tout le temps parce que je prends juste ceux qui sont en rabais. Donc c'était les framboises qui étaient en rabais. Comme vous avez pu constater tout à l'heure, j'ai acheté des raisins. Je les apprécie vraiment beaucoup. J'ai aussi pris des champignons, des olives, des tostitos et de la salsa. Ensuite, j'ai ici des pépites de poulet, des chicken nuggets, des croquettes de poulet congelées. Encore une fois, quelque chose de super simple à faire quand on n'a rien de prévu comme souper. Un concombre. Ce jus, qui est mon jus préféré. C'est comme le jus de pomme quand c'est le temps des pommes là, en automne. Mais c'est un jus qui s'achète à l'épicerie. Puis celui-là, c'est celui de Honey Crisp. C'est les pommes super sucrées. Ça goûte vraiment comme... comme si tu croquais dans une pomme. J'adore. Moi et David, on aime vraiment beaucoup les yups. D'ailleurs, fun fact, c'était le dernier gros palais comme ça qui restait. On a failli pas avoir de yups cette semaine. Ça a arrêté la panique chez nous. Les yups, c'est très important. Et puis, pour terminer, j'ai mes viandes que j'achète, donc que je prends toujours le bœuf haché ou porc haché, parce que des fois, porc haché, c'est beaucoup moins cher, donc ça m'intéresse, ça me dérange pas vraiment si c'est du porc ou du bœuf. Et là, aujourd'hui, j'ai pris des cubes de bœuf à ragoût. Ça varie toujours là, ce que je prends. Là, j'ai pris ça pour faire le souper de ce soir. Je pense que je vais faire du bœuf bourguignon. Ça, je vais laisser décongeler. Donc, voilà. Là, j'ai aussi acheté... des barres Chocomax. J'achète jamais ça normalement, là, je l'ai acheté parce que j'avais vraiment le goût d'en manger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la boîte est déjà ouverte, j'en ai déjà pris. Donc voilà, c'était mon épicerie. Merci d'avoir assisté à ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. C'est ça, fait que je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous aime fort et à plus!